précédemment dans Mani Congo, la web série. Je dois être protégée. Il arrive. L'héritier du trône. Nimi Nzima doit se sentir désarmé. Son frère Nimi Apanza ne va pas tarder à rejoindre les ancêtres. Nous devons bousculer la cour des nobles et des serviteurs. Semer une petite division. Ça fait quatre mois qu'on ne voit pas la reine Konawa Vungu. Hey, on va finir par croire que c'est elle qui veut m'emballer Naya à Koufa. Hein? Si tu ne fais pas attention, elle peut même essayer de prendre sa place. Hein? Mmh. Coup d'état. Elle ne se cache pas. Elle prie les ancêtres. Vous savez, Mokonzi Nimi Apanza n'a plus beaucoup de jours à vivre. Kulutu, si ton mari, le roi régent Nimi Nzima, a des problèmes de santé, il ne faudra pas aller te cacher, hein. Il faudra rester avec nous. Vraiment, Nimi Nzima, notre roi régent, il a quelques problèmes avec la guerre. Personne ne lui a expliqué. Hé, Zamatata Penza. Mais tu n'as pas entendu le parleur hier? Hein? Il a annoncé la fin de la guerre. Hein? Il avance malembe, mais ça va aller. Linga, il faut préparer tes garçons, parce que ça n'a pas l'air d'être facile d'être roi. Ça suffit. Laissez mes enfants. Et apprenez à vous tenir à ma cour. Nous ne sommes plus à la cour des nobles. Nous sommes à la cour royale désormais. Et ta sœur, Wamba, comment va-t-elle? Ça fait un moment qu'elle ne vient plus nous voir. Ah ça, elle travaille tous les jours au marché, donc elle n'a plus beaucoup de temps pour nous ces temps-ci. Et puis, surtout avec la famille de l'escroc de Nzélé là. À cause de lui, elle travaille beaucoup pour gagner moins. Ce ne sont que des rumeurs. Tu sais, tout le monde parle mal des nobles dans la capitale. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, moi, tant qu'elle côtoie pas Mavemba, ça va, je suis tranquille. Oh, mais c'est son ami d'enfance, ils ont grandi ensemble. Oh, Katango. Hein? Même si Mavemba est devenue noble, je pense qu'il tient toujours à elle. C'est ça le problème. Écoute, je travaille avec son père, Lembe. Et je sais qu'il ne nous aime pas parce que nous ne sommes pas des nobles comme lui. Donc, j'ai prévenu Wamba. Je veux pas que Mavemba vienne l'embêter. Qui s'approche pas d'elle, qui reste loin d'elle. Tu ne peux pas contrôler sa vie, Katango. Hein? C'est une grande femme maintenant. Écoute, Mavemba, il doit se calmer. J'ai prévenu Wamba. Je ne veux pas qu'il vienne l'embêter. Qui tu reste loin d'elle. Tu ne peux pas contrôler ta sœur, mon chéri. Oh là là. Oh bon, quoi. Si on reste sur ce sujet, ça va durer toute la vie. Je coupe la main, non? Hein? Mais on la partage cette fois. Tu vas pas encore m'accuser de tout manger? Ce n'est pas moi. C'est ton enfant.
belle sœur. Quel plaisir de vous voir. Soyez bénie, Mokonzi. Il m'a bien aimé. Tu arrives à temps, mon roi. Je supporte de moins en moins la compagnie de mes sœurs. Je pense malheureusement que ce n'est que le début. Mon frère le roi ne respire plus correctement depuis bientôt 2 jours. Nzima. Mokonzi Nangai. Notre roi est malade depuis si longtemps. Il doit être vraiment fatigué. Je pense que nos ancêtres se feront une joie de l'accueillir. Nzinga, je dois t'informer d'une chose. Lokangai. Ninyango, tout va bien? Nzinga, Lokangai. Cette information doit rester entre nous. Mamakanda, elle est enceinte. Elle attend un petit. Un petit. Elle a déjà 4 filles dans sa descendance. Pourquoi aurait-elle soudainement un garçon? Je n'y crois pas une seconde. Elle a avec elle l'un des mages les plus puissants de la cour. Je doute qu'il se trompe. Zima. Qu'est-ce que cela signifie? Pour nos enfants, pour notre avenir. Nzinga, je doute qu'il puisse atteindre si facilement le trône. Mais en attendant, je veux que tu prennes soin d'elle. Assure-toi de la bonne tenue de son accouchement. Je ne veux pas réveiller les mauvaises souvenirs. Nous allons surmonter cette épreuve avec sérénité et sagesse. You're nanny!